Morgan Schils, on est ici à Molenbeek. Il y avait aujourd'hui Coupe de Brabant. Molenbeek contre Mazenzele Opwijk. Non difficile. Hein. Oui. Match dans le championnat, vous avez fait match nul là-bas 3-3. Oui. Une surprise. Et aujourd'hui, c'était beaucoup plus facile, je pense. Oui, mais déjà, donc, on a un historique avec Opwijk. On joue souvent contre elle. Je fais 3 aides d'affilée. Et à chaque fois, ça se termine 3-3 égalité avec un penalty, un goal en dernière minute. Et ici, je pense qu'on était remontés à bloc, quand les filles étaient très très motivées, ouais. Et je pense qu'on a fait la différence sur le terrain. Oui, un très bon premier mi-temps de Sakina et aussi de Rizlan. Rizlan, tout à fait. Elles avaient la hargne, elles avaient envie de marquer, ça se voyait et c'était bien. Je suis contente pour elles parce qu'elles ont réussi à combiner, à jouer ensemble, à faire ce qu'on a fait à l'entraînement, donc ça c'est super. Oui, c'est la Coupe de Brabant, aussi la finale, c'est ici, juste à côté, sur le Grand Stade. Est-ce que ça c'est un objectif pour votre équipe? Oui, clairement c'est un objectif. Pour nous, mais aussi pour les coachs, pour tous les gens qui nous suivent, qui sont là, jouer un match dans le stade, je pense que ça ferait chaud au cœur. Oui, donc on va tout faire pour y arriver. On va tout faire pour gagner, ça c'est sûr. On a la rage. Oui. Dans le championnat, comment ça marche pour le moment ? Ça marche plutôt pas mal. On a perdu 1-0 contre les deuxièmes ou les premières, je ne sais plus. Malheureusement, un bad goal qui n'était pas un goal, mais bon voilà. Donc on tient bon, il faut qu'on se donne un fond. On aimerait vraiment passer en D2. Donc, Ouais. Mais il y a un bon esprit dans l'équipe. Hein? L'esprit progresse énormément, on est de plus en plus un groupe ensemble. C'était pas gagné au départ et donc on a encore beaucoup de travail à effectuer. Et aussi beaucoup de supporters aujourd'hui. Oui, c'était super. Merci à tous d'être venus, c'était génial. L'ambiance, etc. Attention, pas trop insulter l'arbitre quand même. Ok, merci bien et bonne chance pour la suite. Au revoir.